Quoi ? Une fille de la charité, c'est quoi ? En ce jour anniversaire de la fondation de la Compagnie des filles à charité, avec quelques collégiens de l'ensemble scolaire Saint-Vincent-de-Paul-du-Berceau, nous sommes allés demander à des personnes qu'est-ce qu'une fille de la charité ? C'est bon. Lolissa, 12 ans. Une fille de la charité est là pour aider plusieurs personnes, car elle a choisi de donner de l'amour à tout le monde pour obéir à Dieu. Et car elle a l'envie d'apporter de l'aide. Elle a également renoncé à une vie de famille. Une fille de la charité, c'est une femme qui est pétrie de l'amour du Christ. Elle l'a vécu si intensément qu'elle veut le rediffuser autour d'elle. Et pour cela, elle s'appuie sur Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac, deux super champions de la charité du XVIIe siècle. Tous les deux, ils ont compris, en méditant l'Évangile, lorsque Jésus dit « Lorsque vous avez fait cela à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est-à-dire un service, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ils ont compris qu'en se mettant au service du plus petit, ils se mettent au service de Dieu lui-même. Saint Vincent et Sainte Louise insisteront beaucoup sur le fait d'assister les pauvres corporellement et spirituellement. C'est-à-dire leur dire qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils ont toute leur dignité. Ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Et à travers les soins qu'elles vont apporter aux personnes malmenées dans notre vie, c'est ça qu'elles signifient. Baniwa, 12 ans. Une fille de la charité, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres avec le même amour. C'est quelqu'un qui obéit à Jésus. C'est quelqu'un qui renonce à une vie de famille, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui partage ses connaissances aux autres. Amélia, 12 ans, une fille de la charité et auprès des malades. C'est une personne qui a consacré sa vie à Jésus, qui a renoncé à une vie de famille pour donner de l'amour aux autres personnes, en leur donnant de l'amour de la même égalité pour tous. Je vois dans les filles de la charité une religieuse, une personne qui met l'amour du Christ au centre de sa vie et de ses préoccupations. Et je vois dans la communauté que je côtoie des personnes heureuses et avec une joie et une paix communicative. C'est pour moi un rappel que le Seigneur veut mon bonheur et que j'ai sérieusement intérêt à l'écouter et à lui demander de l'aide. Une fille de la charité est donc un exemple. Être à leur image des anges, des intermédiaires entre Dieu et les hommes, être ainsi des anges les uns pour les autres. Bon courage, chers communauté avec toute mon affection. Nathan, 13 ans, une fille de la charité aime les enfants et les aide aussi et obéit à Jésus. Elle partage son amour. Merci aux participants Sœur Claire, Père Vincent, François Régis, Amélia, Nathan, Baniwa et Lolissa.